Je vais vous mettre des drôles de lunettes. Moi j'ai les lunettes de Spider-Man. Problèmes de vue, d'audition, de motricité ou de langage peuvent entraver la compréhension et l'apprentissage des enfants et ce, dès la maternelle. Depuis 2012, infirmières et auxiliaires de périculture sillonnent en binôme le département du Val-de-Marne à la rencontre des enfants de moyenne section et de leurs parents lorsqu'ils le souhaitent pour établir un bilan de santé personnalisé. Quel âge que tu as, Maïlis 4 ans. Bien. Et dans la cour, avec qui tu joues dans la cour le but du bilan de santé c'est de pouvoir euh, dépister d'éventuels problèmes de santé et de pouvoir agir très rapidement. ça permet aussi aux familles ben, de prendre rendez-vous avec des spécialistes pour que en grande section les troubles soient pris en charge afin que l'enfant puisse être dans les apprentissages et qu'arriver au CP ce soit beaucoup plus facile pour lui. Un dispositif destiné aux zones d'éducation prioritaire dans un premier temps, étendu depuis 2014 à toutes les moyennes sections du Val-de-Marne, soit près de 19 000 enfants chaque année. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un dépistage précoce des enfants qui ont des troubles au niveau euh, bah, psychomoteur, langage. Les maîtresses, elles leur permettent d'être un peu plus vigilantes sur certaines données. On peut voir une différence quand les parents s'engagent dans les suivis qu'on leur propose. Quand il est demandé un bilan orthophonique, qu'il s'avère qu'il est nécessaire que l'enfant suive des séances en orthophonie, on voit réellement une amélioration au niveau du langage. Le bilan de santé ne s'arrête pas là. En fonction de l'orientation, l'obtention d'un rendez-vous avec un spécialiste peut aller de quelques semaines à plusieurs mois d'attente, un suivi à deux. 4 et 6 mois est donc nécessaire pour aider les familles dans ce parcours. Deux mois après notre passage, on rappelle les familles en leur disant qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez pu avoir un rendez-vous. On peut aussi accompagner certaines familles qui ont des difficultés pour euh, trouver des fois des rendez-vous. Dans l'année, 40% des enfants en moyenne seront orientés vers des spécialistes pour qu'à l'arrivée au CP, ces freins de santé soient levés.